de temps en temps, machine dominicaine vient déposer immigrants haïtiens là, immigrants arrêtés et viennent déposer yo. Mesdames et frères, accès aux patriotes, bonjour, comment nous y est? J'espère nous tout en forme. Je tiens, c'est mardi, nous vivons mardi 19 mars. Dans mes cours, voilà, c'est toujours serviteur aux amis. Merci Dieu, c'est un immense et réel plaisir pour nous capables ensemble avec nous. Bienvenue dans une nouvelle vidéo d'information. Bonjour, chef. Vous êtes dans le salon, vous êtes qui le fait vous êtes qui le soleil. Vous êtes dans le plaisir, chef. A qui ça me quitte dans la main? On 12 par la pile. On 12, on 12. 12 qui a signé? 12 par la pile. Et moi, tu es prêté. Yeah, monsieur prend 12 à la lampe, chef al cabaret. Il fait tout le monde la gueule. Il va le faire recette chaque jour. Il va le faire recette chaque jour en bas. Monsieur disait, il pas chef en bas, il fait tout le monde la gueule. Dans la zone blanche. Mais monsieur. Monsieur le cabaret, je connais si on est gueule là. Je connais qui est-ce qui va le faire. Il va le faire recette en bas. Il va le faire tout le monde. Mais monsieur. Les îles tournent la caille et les chefs en bas. Mais non, mais si. Entendez vous là qu'on y a là. Il bon qu'on y a. Il est bon. On y a le bon là qu'on y a là. Ok. Ok, le bon qu'on y a là. Alors mes amis, continuez là. Nous avons un bon. Et je n'ai pas de là, c'est un jour marché binational. Ils sont marchés entre République dominicaine avec, et République d'Haïti, mais sont marché qui fait sous frontière du pays. Yo. Mais sont et d'après ça, on a regardé là, je remarque qu'il y a plus de commerçants, il y a plus d'Haïtiens qui ont acheté que Dominicains qui ont acheté dans les Haïtiens. Il y a plus d'Haïtiens qui ont vendu que Haïtiens qui viennent vendre. Et Dominicains, sur point ça, ils sont très rigides, surtout les policiers dominicains qui ont contrôlé qui ça a sorti. Parce que les commerçants haïtiens, ce n'est pas tout le bagage, ils sont capables d'acheter là. Et il y a des restrictions sur ces deux produits, par exemple, du riz. Bon, du riz que les Haïtiens n'ont pas acheté. Ils n'ont pas acheté. Là, je monte nos activités qui sont là. Ça, c'est mon cap sorti du côté haïtien. Et il y a sorti du côté haïtien eux-mêmes pour à lâcher en République dominicaine. Mais non, pas avec des filles, des garçons. Mais il y a plus de filles que garçon qui n'a activité ça. Et là, c'est moins bas face. Quand on a regardé des doigts là, c'est face à Haïti. Si on regarde un petit peu plus loin, on a le drapeau haïtien. Alors, bon, dit nous qu'il y a ça, qu'on y a la souveraineté. Donc, marché, ça, c'est un marché qui fonctionne deux fois par jour, deux fois par semaine. Moi, je pas là, on ne se parle pas responsable policier qui l'a. Et ça, il dit que marché binational n'a pas fonctionné trois fois dans la semaine, non. C'est seulement deux fois. Mais il dit activité commerciale entre Haïti et la République dominicaine, surtout la zone frontalière, là, il fonctionne chaque jour. C'est-à-dire que les gens qui sont dans la zone frontalière, ils trouvent une traversée, ils viennent acheter, ils ont besoin, etc. Donc c'est comme ça que ça est. Donc il dit que pas grand problème entre Haïti, au point de vue commercial, mais que l'activité était en ralenti dernièrement, mais ils ont commencé à reprendre encore bon, après incident. Pour ça, concernant la sécurité et l'autorité dominicaine, ça, qui sont peut-être gardes responsables de sécurité dans la zone, eh bien, ils disent qu'ils ont renforcé les mesures de sécurité.
Et alors, qui j'en ai expliqué, ça, il dit, si au côté de deux chefs qui t'ont fait poste, ben, on mettait trois. Si tu as quatre chefs, ou bien si tu as quatre chefs au côté, qui ont trois, tu as deux qui t'ont pris repos, eh bien, on fait une prend repos, ils augmentent. Donc, ils augmentent en présence sous frontière là. Donc, c'est ça qui bat. Mais on dit en principe, ils n'ont pas pris aucune autre mesure. Et excepté qu'ils sont beaucoup plus vigilants en qui est-ce qu'il y a rentré, qui est-ce qu'il y a sorti. En principe, au point de vue immigration, pas de monde qui sorti là, pas de monde qui rentre parce que l'immigration, techniquement, l'immigration fermée. Gagné, pendant que je suis sorti Santiago de Los Caballeros pour arriver là, eh bien, moi, j'étais une machine haïtienne qui t'a traversé là, qui t'a venu. Alors, machine haïtienne, ça y est, il y a une marchandise là-dedans. Alors, je me suis dit que monde qui est plus ou moins impliqué dans superviser ou bien encore chercher protéger les Haïtiens, surtout les petits dérapages qu'ils ont fait et qui l'a cap voyager pour assurer que ne pas faire les Haïtiens abus. Et bien, il m'a dit que je dis bon, pas vraiment, et que machine haïtienne traversée à l'acheter, à chercher comment penser de commerçants haïtiens. Donc, et, mais c'est seulement chauffeur qui est autorisé à le chercher produit sale. Alors, comme un sang haïtien, quelque chose à côté de l'IA, il passe commande, et il passe commande, camion haïtien, ou bien encore autobus haïtien, traverser, la chercher, et le vina avec. Et cela, pas grand limite, non, là, il est très loin. Parce que la machine, m'était rencontré moi-même, qui était bien haïtien dans la machine était très loin. Mais il était sorti très loin. Donc, les mouvements sont en garde, moi, il a vini. Donc, c'est ça que je donc, comment dis-nous, VOA sur place, nous venons souvent, nous venons justement, nous venons garder avec nous, nous venons qui j'ai activité et qui ça, cap dit et qui ça cap fait sous activité frontalière là. Sous qui ça cap fait, qui j'en va y aller. Et, mais nous gardons que jusqu'à présent, et, bah, il n'y a pas un moment normal pour nous. Normal en ce sens que, pas rien laisser frapper, c'est seulement activité ou nous seulement, c'est seulement. Et les gens qui viennent acheter et qui peuvent aller. Mais les gardes dominicains sont là, ils ont contrôlé. Il y a des gens qui sont dedans, ils ont contrôlé ça. Par exemple, banane pas sorti là. Banane dominicain pas sorti. Mais figue banane non sorti. Ça, les figues muets ou bien figue banane, ils ont quitté le sorti. Mais banane lui-même n'est pas sorti. Il y a du riz dominicain qui n'est pas sorti et qui pas sorti tout. Et, mais au quitter le tout. Donc nous allons avancer de contenu. Nous allons essayer de virer les vidéos pour nous permettre de faire une idée plus ou moins de qui gens à qui activité y est. Nous allons regarder les façades haïtiennes, nous allons regarder toute quantité de monde qui peut aller. Ça, il y a des gens qui sont achetés pour aller là. Nous allons regarder les gens qui finissent acheter et qui peut aller. Donc nous allons avoir en pile d'activité et les gens qui ont monté descendre et c'est les gens qui sont achetés et les gens qui peuvent acheter. Donc, il y a pile d'activité là, je veux dire, pile d'argent et cap grassé là. Sur le plan politique là, par exemple, nous beaucoup, ouais, nous, en fait, nous espérons là, c'est avant, ouais, et immigration ou bien encore autorité dominicaine vient déposer haïtiens que tu as arrêté, monde que tu as déporté. Mais jusqu'à présent, nous parlons. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas existé. Et d'après ça, on responsable dit moins, et de temps en temps, machine dominicaine vient déposer immigrants haïtiens là. Immigrants ont arrêté et viennent déposer pour être capables de bailler. Donc, je vais faire une autre idée sur le passage et qui est en train de faire.